Bonjour chers élèves, dans le cadre de la partie 4 de votre programme La mondialisation et ses enjeux, en particulier le premier chapitre Les échanges internationaux et leur évolution, on a commencé la dernière séance, la première section, la présentation des échanges internationaux de biens et services, où on a identifié les échanges internationaux. Aujourd'hui, on va mesurer... Le commerce extérieur, c'est-à-dire calculer les indicateurs du commerce extérieur. Plusieurs indicateurs sont utilisés pour mesurer le commerce extérieur. Qu'on va les calculer et aussi les interpréter. Donc notre objectif consiste à calculer et interpréter le commerce, les indicateurs du commerce extérieur. Donc vous êtes en présence de deux objectifs. Le premier c'est de, cal de calculer les indicateurs et le second objectif c'est interpréter ces indicateurs. Parmi ces indicateurs, on commence avec le solde commercial. Qu'est-ce que le solde commercial Vous allez exploiter l'activité 4 page 203 de votre manuel scolaire. Donc on va répondre au titre de ce document, qu'est-ce que le solde commercial Alors, on va lire le premier paragraphe de ce document. Le solde commercial se construit comme la différence, c'est-à-dire il s'agit d'une opération de soustraction. Entre quoi et quoi Entre les exportations, d'une part, et les importations de marchandises, d'autre part. Donc, qu'est-ce que le solde commercial c'est la différence entre la valeur des exportations et celle des importations. Par conséquent, sa formule s'écrit de la manière suivante solde commercial égal x moins m, c'est-à-dire valeur des exportations moins valeur des importations. Cet indicateur est exprimé en unité monétaire. Pour le calculer et l'interpréter, on va s'appuyer sur des statistiques relatives à l'économie tunisienne et allemande en 2018, comme présenté dans ce tableau. On vous demande, dans cette question, de calculer et interpréter le solde commercial pour chacun des pays. Donc, vous avez deux consignes. La première consigne consiste à calculer le solde commercial, et puis à l'interpréter. Remarquez bien que les indicateurs de la Tunisie sont exprimés en millions de dinars, par contre les indicateurs de l'Allemagne sont exprimés en milliards de dollars. Passons tout d'abord au calcul du solde commercial pour chaque pays. N'oubliez pas, bien sûr, de mettre la formule, souligner ou bien encadrer chaque résultat, mais également de préciser l'unité. En Tunisie, solde commercial 2018 égale X 2018 moins M 2018, l'application numérique vous donne le solde commercial égal à moins 19 022,9 millions de dinars tunisiens. Remarquez bien que c'est un solde négatif. Donc, il s'agit dans ce cas d'un déficit commercial. Passons à l'Allemagne. En Allemagne, solde commercial égal. Donc, on va reprendre la formule. On passe à l'application numérique. Le résultat obtenu, c'est 238,2 milliards de dollars. Donc, c'est un solde positif. Il s'agit dans ce cas d'un excédent commercial puisque la valeur des exportations dépasse la valeur des importations. Alors, il s'agit d'un excédent commercial. Notre question, quelles sont les différentes situations possibles C'est-à-dire combien de situations le solde commercial peut présenter Le solde commercial peut être positif, négatif, ou bien nul. Dans quel cas ces différentes situations Lorsque la valeur des exportations est inférieure à la valeur des importations, on obtient un solde commercial négatif. Donc, on parle de quoi On parle d'un déficit commercial, comme l'exemple de la Tunisie en 2018. Par contre, si la valeur des exportations dépasse la valeur des importations, alors il, dans ce cas, le solde commercial est positif. Donc, on parle d'un excédent commercial. C'est le cas de l'Allemagne. Le solde commercial peut ne pas être ni négatif ni positif, il peut être nul lorsque la valeur des exportations est... sont égales à la valeur. Importations. La valeur des exportations est égale à la valeur des importations. Donc, dans ce cas, on parle d'un équilibre commercial. Dans quel cas un excédent commercial est-il un signe de bonne santé On va s'appuyer sur le deuxième paragraphe pour répondre à cette question. Un excédent est en général un signe de bonne santé et de compétitivité d'une économie. Mais il peut provenir non pas d'une hausse des exportations, mais d'une réduction des importations causée par un ralentissement de l'activité. Donc, s'il provient d'une baisse des importations, c'est un signe de faiblesse de l'économie. Par conséquent, le solde commercial est un signe de bonne santé, l'excédent le, le, commercial plutôt est un signe de bonne santé lorsqu'il résulte d'une hausse des exportations suite à une meilleure compétitivité des produits nationaux sur le marché étranger. Par conséquent, la réponse rédigée est la suivante. Un excédent commercial est en général un signe de bonne santé de l'économie s'il résulte d'une meilleure d'une hausse des exportations suite à une meilleure compétitivité des produits nationaux. On va passer pour l'instant à la troisième question, où on vous demande si le déficit commercial est toujours un signe de faiblesse d'une économie. Vous êtes en présence d'une question nuancée. Donc, vous êtes amené à donner des arguments en faveur, c'est-à-dire oui, mais également vous devez donner des arguments opposés, c'est-à-dire mais ou non. Passons à la question, à la, au document pour répondre à cette question. Inversement, un déficit peut être interprété comme un signe de faiblesse. Il reflète une vulnérabilité, fragilité, d'une économie en matière des échanges extérieure et une dépendance envers l'étranger. Donc le déficit est un signe de faiblesse puisqu'on a dit que dans le cas d'un déficit commercial, la valeur des exportations est inférieure à la valeur des importations. Continuons. Mais un déficit commercial n'est pas toujours un signe de faiblesse s'il est dû à une augmentation des approvisionnements, c'est-à-dire des importations en matières premières et, et en biens d'équipement. Donc, le solde commercial est un signe de bonne santé. S'il résulte d'une augmentation des importations de matières premières et équipements, par conséquent, c'est un signe de faiblesse s'il résulte d'une baisse des exportations suite à une faible compétitivité de l'économie. Donc, le oui, le solde commercial est un signe de faiblesse. Le mais ou bien non, le solde commercial peut être un signe de bonne santé de l'économie. La réponse à la question, donc oui et mais, donc la réponse à cette question est la suivante. Le déficit commercial peut être un signe de faiblesse de l'économie lorsqu'il résulte d'une baisse des exportations suite à une faible compétitivité de l'économie, mais aussi peut être un signe de bonne santé de l'économie, dans quel cas, nous, comme nous avons déjà précisé, lorsque le déficit commercial provient d'une hausse des importations de matières premières et d'équipements modernes qui sont indispensables, nécessaires à la croissance de la production. Donc, comme synthèse, un déficit commercial n'est pas toujours signe de faiblesse de l'économie. Nous allons passer au deuxième indicateur, c'est le taux de couverture. Quelle est sa formule Comment l'interpréter C'est ce qu'on va voir avec l'activité 6, page 203. On vous demande dans la première question de donner la formule du taux de couverture. En deuxième lieu, on vous demande quelles sont les différentes situations pouvant se produire. Et enfin, pourquoi le taux de couverture et le solde commercial ne sont-ils pas interchangeables On va commencer par la lecture de ce document, le taux de couverture et le rapport rapport, c'est-à-dire une opération de division entre la valeur des exportations et celle des importations relatives au même produit ou ensemble de produits ou au pays, alors que le solde, commerce, le solde du commerce extérieur est la différence entre la valeur des exportations et la valeur des importations. Ces deux ces deux notions ne sont donc pas interchangeables. Donc, tout d'abord la formule du taux de couverture c'est valeur des exportations sur valeur des importations fois 100 puisqu'il est exprimé en pourcentage. En plus, l'auteur continue pour dire que solde commercial et taux de couverture ne sont pas interchangeables. Pourquoi Parce que chaque indicateur a son utilité et sa spécificité pour mesurer le commerce extérieur d'un pays. Commençons tout d'abord par la formule du taux de couverture. C'est le rapport entre la valeur des exportations et celle des importations, exprimée bien sûr en pourcentage. Sa formule, c'est que taux de couverture égale x sur m fois 100, c'est-à-dire valeur des exportations sur valeur des importations fois 100. Pour calculer et interpréter cet indicateur, on va exploiter les statistiques déjà fournies dans le tableau précédent, c'est-à-dire les statistiques relatives à l'économie tunisienne et l'économie allemande. On vous demande donc de calculer et interpréter le taux de couverture par, pour chacun des pays. Donc les mêmes consignes, calculer et puis interpréter. Passons donc au calcul. En Tunisie, le taux de couverture égale X sur M fois 100, valeur des exportations sur valeur des importations. Il faut préciser la formule. Puis, vous passez à l'application numérique. 40 987,4, c'est la valeur des exportations, sur 60 010,3, c'est la valeur des importations, fois 100. Le résultat, c'est 68,3%. C'est un taux. Inférieure à 100. Donc, les exportations, les recettes d'exportation ne couvrent pas les dépenses d'importation. Concernant l'Allemagne, le taux de couverture égale X sur M fois 100. Application numérique, 1869,8 sur 1631,6 fois 100 égale 114,59%, donc supérieur à 100. Dans ce cas, les recettes d'exportation couvrent largement les importations. Donc, dans ce cas, vous avez deux... Situations possibles, ou bien... Les exportations ne couvrent pas les importations ou les exportations couvrent largement les importations mais un troisième cas peut aussi se présenter lorsque la valeur des exportations est égale à la valeur des importations donc le taux de couverture est égal à 100 comme on vient on va le voir maintenant Si la valeur des recettes d'exportation sont inférieures aux dépenses d'importation le taux de couverture est inférieur à 100. Dans ce cas, les, les recettes d'exportation ne couvrent pas les dépenses d'importation. Alors, il s'agit d'un déficit commerce commercial, puisqu'on vient de préciser que la valeur des exportations est inférieure à la valeur des importations. Le taux de couverture peut être supérieur à 100 lorsque la valeur des exportations est supérieur à la valeur des importations. Dans ce cas, les recettes d'exportation couvrent largement les dépenses d'importation. Il s'agit, bien sûr, d'un excédent commercial puisque le solde commercial sera positif. Enfin, le taux de couverture peut être égal à 100 lorsque la valeur des exportations est égale à la valeur des importations. Donc, on dit que les recettes d'exportation couvrent exactement les dépenses d'importation. Alors, le solde commercial sera nul et par conséquent, comme on a précisé, il s'agit d'un équilibre commercial. Taux de couverture et solde commercial sont-ils interchangeables, comme on a déjà vu Bien sûr que non. Pourquoi Parce que le solde commercial et le taux de couverture sont des indicateurs différents. Chaque, chaque, chaque indicateur a sa propre formule et son intérêt aussi. Exemple, le solde commercial est exprimé en unité monétaire, alors que le taux de couverture est exprimé en pourcentage. La, le solde commercial est calculé par la différence entre la valeur des exportations et la valeur des importations. Quant au taux de couverture, on fait le rapport entre les, la valeur des exportations et la valeur des importations. La même chose. Le solde commercial montre si les recettes des exportations dépassent ou non les dépenses d'importation. Par contre, le taux de couverture montre la capacité du pays à couvrir ses dépenses d'importation par ces recettes d'exportation. Le troisième indicateur, c'est le taux d'effort à l'exportation. Par définition, cet indicateur, c'est le rapport entre la valeur des exportations et celle du PIB. Donc, taux d'effort à l'exportation égale valeur des exportations sur PIB fois 100 il est exprimé en pourcentage. Nous allons utiliser les statistiques relatives à l'économie tunisienne pour calculer et interpréter ce taux. Donc on vous demande de compléter le tableau, puis donner la signification du résultat obtenu. On va commencer par le calcul, et puis on va donner la signification de, du résultat obtenu, c'est-à-dire du taux d'effort à l'exportation. Taux d'effort à l'exportation en 2018 égale X 2018 sur PIB 2018 fois 100. L'application numérique, 40 987,4 sur 91 620,8, la valeur du PIB fois 100. Vous obtenez le résultat suivant, 44,73%. Comment on interprète cette valeur C'est très simple. En 2018, la valeur des exportations représente 44,73% du PIB de la Tunisie. Les exportations en 2018 représentent 44,73% du PIB de la Tunisie, comme déjà écrit sur ce diapo. Le troisième indicateur, c'est le taux de dépendance. La formule du taux de dépendance, c'est le rapport entre la valeur des importations et celle du PIB. Donc, sa formule est taux de dépendance égal M sur PIB fois 100. De la même manière, on va adopter les statistiques de la Tunisie en 2018 pour calculer ce taux et aussi l'interpréter. Taux de dépendance égale, M sur PB fois 100, on précise la formule, puis on passe à l'application numérique. Vous obtenez le résultat, 65,5%. Comment on l'interprète C'est très simple. En Tunisie, les importations représentent 65,5% du PIB. L'autre indicateur, c'est le taux d'ouverture. Alors, pour dégager sa formule, on va s'appuyer sur l'activité 8, page 204 de votre manuel scolaire. Le taux d'ouverture d'une économie. Au marché international et le rapport entre la valeur de son commerce extérieur, mesuré par la somme des exportations et des importations, ou leurs moyens. Donc, il y a deux formules dans ce cas. Et son PIB. Il indique le degré d'internationalisation d'une économie nationale et mesure donc son insertion dans le commerce mondial. C'est-à-dire que pour calculer le taux d'ouverture, on peut faire. La somme des échanges extérieurs sur PIB fois 100, ou bien la moyenne des échanges extérieurs sur PIB fois 100, comme on va le présenter maintenant. Taux d'ouverture égale x plus m sur PIB fois 100, ou bien en faisant la moyenne des échanges, c'est-à-dire x plus m sur 2 sur PIB fois 100. Quelle est la formule qu'on utilise dans les statistiques tunisiennes On adopte la première formule. Ou x plus m sur pb fois 100. Donc, on va passer au calcul et à l'interprétation de ce taux. Bien sûr, en utilisant les statistiques de la Tunisie obtenues par l'INS. Taux d'ouverture égal x plus m sur pb fois 100. C'est la formule adoptée dans les statistiques tunisiennes. En passant à l'application numérique, vous allez obtenir un résultat de 110,23%. Donc on constate que l'économie tunisienne est largement ouverte sur l'extérieur, puisque la somme des échanges représente 110,23% du PIB de la Tunisie en 2018. Nous disons alors que les échanges extérieurs de la Tunisie représente 110,23% du PIB de la Tunisie, bien sûr, en 2018. Le dernier indicateur, c'est l'indice des termes de l'échange. Vous allez exploiter l'activité 10, page 205, où on vous demande, dans la première question, donner la signification du numérateur et du dénominateur de l'indice des termes de l'échange, c'est-à-dire de la formule qui existe dans le document. Et puis, par analogie à la situation d'amélioration des termes de l'échange, décrivez la situation de détérioration des termes de l'échange. Les différentes situations, on va les voir plus tard. L'indice des termes de l'échange est mesuré par le rapport entre, suivant, indice des prix des produits exportés, t 0 sur l'indice des prix des produits importés T1 sur T0, le tout fois 100. Expliquons tout d'abord la formule des termes de l'échange. L'indice des termes de l'échange entre, entre T1 et T0. N'oubliez pas que l'indice est un indicateur d'évolution qu'on a calculé ou bien étudié dans la partie 1 de votre programme. Et pour, on calcule l'indice pour obtenir les, le taux de croissance, c'est-à-dire en faisant indice moins 100 égale taux de croissance. De la même façon, n'oubliez pas aussi que au cours de l'année de base, l'indice est calculé entre l'année de base et l'année courante. Donc T0, c'est l'année de base. Tn, c'est l'année courante. Donc revenons à la formule des indices, de l'indice des termes de l'échange égal indice des prix à l'exportation au cours de l'année courante par rapport à l'année de base, et un sur indice des prix à l'importation pendant l'année courante par rapport à l'année de base. On peut l'écrire aussi de la manière suivante. C'est la même formule, hein, mais écrite de façon simplifiée. Que mesure chaque, que, quelle est la signification du numérateur et du dénominateur? L'indice des prix des exportations en, entre T0 et Tn, entre l'année de base et l'année courante, mesure quoi Mesure l'évolution des prix des exportations et non pas des exportations. Je dis bien mesure l'évolution des prix des exportations. Entre quoi et quoi Entre l'année de base T0 et l'année courante Tn. De la même façon l'indice des prix des importations mesure l'évolution des prix des importations entre l'année de base T0 et l'année courante TN par conséquent l'indice des termes de l'échange mesure l'évolution des termes de l'échange entre l'année de base et l'année courante d'après cette formule donc vous pouvez constater que Lorsque l'indice des prix des exportations est supérieur à l'indice des prix des importations, l'indice des termes de l'échange sera supérieur à 100. Et inversement, lorsque l'indice des prix des importations est supérieur à l'indice des prix des exportations, l'indice des termes de l'échange sera inférieur à 100. Un autre cas peut se présenter. Donc, si l'indice des prix d'exportation égale l'indice des prix des importations, l'indice des termes de l'échange nécessairement égal à 100. Comme on va les présenter. Mais pour l'instant, on va calculer et interpréter l'indice des termes de l'échange, bien sûr, en s'appuyant sur les statistiques de l'économie tunisienne. Le titre Indice des prix à l'exportation et à l'importation en Tunisie en 2008. Base 2000, c'est-à-dire les calculs des indices ont été réalisés par rapport à l'année 2000 qui est une année de base. Par conséquent, 2008, c'est une année courante. Qu'est-ce qu'on vous demande Donner la signification des indices des prix. C'est la première question. Et puis, on vous demande de compléter le tableau et interpréter le résultat obtenu. On va. Répondre à la première question qui vous demande bien sûr de donner la signification des indices des prix à l'exportation et les indices des prix à l'importation. La réponse Indice des prix à l'exportation entre 2000 et 2008 égale 158. C'est une valeur supérieure à 100. Donc l'indice des prix à l'exportation a passé de 100 en 2000, qui est l'année de base, à 158 en 2008, qui est l'année courante, donc il a enregistré une augmentation de 58%. Comment on a obtenu ce résultat On a fait 158 moins 100, égale 58%. Et ça correspond à quoi Bien sûr, ça correspond au taux de croissance des prix à l'exportation et non pas des exportations, je précise. Donc 58%, c'est le taux de croissance des prix des exportations entre l'année de base 2000 et l'année courante 2008. Comment l'interpréter En Tunisie, les prix des produits exportés ont augmenté de 58% entre 2000 et 2008. Le même travail sera fait pour l'indice des prix à l'importation. L'indice des prix à l'importation entre 2000 et 2008 égale 166. C'est une valeur aussi supérieure à 100. Donc il y a augmentation des prix des importations entre l'année de base et l'année courante. Les prix des produits importés ont augmenté de 66 entre 2000 et 2008. Passons maintenant au calcul de l'indice des termes de l'échange. Vous devez mettre la formule. Indice des prix à l'exportation sur indice des prix à l'importation fois 100. On va passer à l'application. Vous obtenez, vous obtenez 95,18 inférieur à 100. Pourquoi Parce que les prix des produits exportés ont augmenté moins vite que les prix des produits importés. De la même chose, l'indice des termes de l'échange a passé de 100 en 2000 à 95,18 en 2008. Donc, il a enregistré une baisse. Une baisse de combien On va faire 95,18 moins 100. Vous obtenez moins 4,82%. On va dire donc qu'il y a une détérioration des termes de l'échange puisque l'indice des termes de l'échange est inférieur à 100%. En Tunisie, il y a une détérioration des termes de l'échange entre 2000 et 2008 puisque les prix des exportations ont augmenté moins vite que les prix des importations puisque 58% inférieur à 66%. Quelles sont les différentes situations que peut présenter l'indice des termes de l'échange L'indice des termes de l'échange peut être inférieur à 100, dans quel cas lorsque l'indice des prix à l'exportation est inférieur à l'indice des prix à l'importation Dans ce cas, on parle d'une détérioration des termes de l'échange entre l'année de base et l'année courante. Mais il peut être aussi supérieur à 100 lorsque l'indice des prix à l'exportation est supérieur à l'indice des prix à l'importation. Alors, on parle d'une amélioration des termes de l'échange. Enfin, un troisième cas peut se présenter lorsque l'indice des termes de l'échange est égal à 100. Dans quel cas Dans le cas où l'indice des prix à l'exportation est égal à l'indice des prix à l'importation. Donc, il n'y a, a ni détérioration ni amélioration. Ça correspond nécessairement à une stagnation des termes de l'échange entre l'année de base et l'année courante. Bon, nous allons donc passer à l'activité 12, page 205. C'est un tableau qui présente les indices des termes de l'échange en 2004 de plusieurs pays. La question est d'interpréter les indices des termes de l'échange pour chacun des pays. Si, la, bien sûr, je précise que l'année de base est 1980, c'est-à-dire que ces indices sont calculés en 2004 par rapport à 1980. Si on va prendre les deux premiers pays, l'Italie et les Émirats arabes unis, vous constatez que les indices des termes de l'échange sont supérieurs à 100. Donc, comme je viens de le préciser, si l'indice des termes de l'échange est supérieur à 100, donc on dit qu'il y a amélioration des termes de l'échange pour chacun des deux pays. Pourquoi Je reprends parce que les prix des produits exportés ont augmenté plus vite que les prix des produits importés. Concernant les deux autres pays, à savoir la Tunisie et le Togo, on a des indices des termes de l'échange inférieurs à 100. Donc nécessairement, on parle d'une détérioration des termes de l'échange. Mais constatez bien que la détérioration des termes de l'échange en Tunisie est moins importante que celle du Togo. Pourquoi Parce que les termes de l'échange ont diminué de 20% pour la Tunisie entre 1980 et 2004. Par contre, le Togo a enregistré une baisse de 75% de l'indice des, des termes de l'échange et par conséquent, c'est une forte baisse. Cette séance est terminée. Merci pour votre attention.